Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant en ce dimanche 9 février, cinquième dimanche du temps ordinaire. Merci de rester avec nous alors que dans quelques instants seulement, le pape va présider la prière mariale de l'Angélus à partir de la fenêtre des appartements pontificaux en présence de nombreux fidèles réunis, place Saint-Pierre, nous sommes à Rome. Pour vous accompagner, Jean-Paul Kamba qui vous salue, vous tous qui nous suivez en direct sur notre site vaticannews.va. Et ceux qui écoutent à travers nos radios et télévisions partenaires, IWTN, Radio Espérance, Radio Ecclesia, ainsi que la radio catholique Elikia à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le pape va apparaître dans quelques instants. Je vous rappelle qu'hier, samedi 8 février, était la fête liturgique de la Sainte Joséphine Bakita, originaire du Soudan et qui a vécu de 1869 à 1947. Cette fête marquait également la journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des êtres humains. Des êtres humains, journée instituée par le pape en 2015. François a souhaité ainsi, par cette journée, sensibiliser davantage les fidèles et les hommes de bonne volonté par rapport à cette thématique. Dans quelques instants, le pape va faire son apparition à partir de la fenêtre des appartements pontificaux. Et avant la prière de l'Angélus, il va nous donner une exhortation. Le voilà apparaître sous les acclamations des fidèles. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nel Vangelo de oggi, Dans l'évangile Gesù d'aujourd'hui, dice ai suoi discepoli. Jésus dit à ses disciples: Voi siete il sale della terra. Vous êtes le sel de la Voi terre. siete la luce del mondo. Vous êtes la lumière du monde. Egli utilizza un linguaggio simbolico Il per utilise un indicare a quanti langage symbolique intendono pour indiquer seguirlo, à a ceux quanti qui criteri entendent le suivre per certains vivere critères de présence la vivante presenza e la et de testimonianza nel témoignage mondo. dans le monde. Prima immagine, Première il image, sale. le sel. Il sale è l'elemento che dà sapore Le sel est e che l'élément qui donne la conserva e saveur preserva et gli qui alimenti préserve et della conserve corruzione. les aliments de la corruption. Il discepolo è dunque Le chiamato disciple a est donc tenere appelé à lontani dalla tenir à società l'écart i de la pericoli, société les i dangers, germi corrosivi les che germes inquinano la corrosifs qui vita delle polluent la vie des persone. gens. Si tratta di resistere al degrado Il morale, s'agit de al résister au peccato, péché et à la dégradation testimoniando i morale, valori de dell'onestà témoigner e des della valeurs d'honnêteté fraternità, et de senza fraternité, cedere alle lusinghe sans céder mondane aux flatteries dell'arrivismo, mondaines del de potere e l'arrivisme, della ricchezza. du pouvoir et de la richesse. E sale il discepolo che, C'est le nonostante sel i du disciple fallimenti qui, malgré quotidiani, les échecs perché tutti quotidiens, noi ne se relève de abbiamo, la si poussière de ses propres rialza dalla polvere erreurs, dei propri sbagli, ricominciando con coraggio en e recommençant pazienza, avec courage et ogni patience, giorno chaque a jour, cercare il dialogo e à l'incontro con gli chercher altri. le dialogue et la E rencontre avec les sale il autres. discepolo che non C'est le sel rispetta du il disciple qui ne consenso e cherche il pas le plauso, consentement et la ma si louange, sposa di essere una mais presenza s'efforce d'être une umile, présence costruttiva humble et nella fedeltà constructive agli insegnamenti di dans Gesù, la fidélité aux venuto nel enseignements de mondo Jésus, non per essere qui est servito, venu dans ma le per monde non pas servire. pour être E di servi, questo mais pour atteggiamento servir. c'è tanto bisogno.
Et cette attitude est bien nécessaire. La seconda immagine che Gesù propone ai suoi discepoli La seconde è image quella que della Jésus propose luce. à ses disciples est Voi celle de siete la lumière. luce del Vous mondo. êtes la lumière du La monde. luce disperde l'oscurità e consente di vedere. La lumière Gesù è la disperse luce che l'obscurité et nous ha permet fondato de le voir. tenebre, ma Jésus esse est la permangono lumière qui a ancora nel dissipé les mondo ténèbres, e nelle singole mais elle persone. reste dans le monde et dans les Il compito individus. del cristiano è disperderle facendo risplendere Le la chrétien a luce di pour tâche Gesù de e annunciando il disperser suo cette Vangelo. obscurité en faisant Si briller la tratta lumière du di una Christ et en proclamant son évangile. irradiazione C'est une che può irradiation qui derivare peut aussi anche venir dalle nostre parole, de nos ma deve paroles, scaturire soprattutto mais elle doit dalle nostre surtout opere buone. découler de nos bonnes œuvres. Un discepolo e una comunità cristiana Un sono disciple et une luce nel communauté mondo chrétienne quando sont la lumière du indirizzano gli monde altri a Dio, lorsqu'ils aiutando dirigent les ciascuno autres a fare vers Dieu esperienza et dont della sua chacun à bontà faire e della sua l'expérience de sa misericordia. bonté et de sa Il miséricorde. discepolo di Gesù Le disciple è de luce Jésus quando sa est lumière quand il vivere sait la vivre propria fede sa al di propre fuori foi di spazi en ristretti, dehors des espaces étroits. quando contribuisce a eliminare i Quand il aide à pregiudizi, éliminer les a préjugés, eliminare le calunnie, les di far calomnies entrare la luce nella et verità, à apporter nelle la lumière de situazioni la viziate vérité dans des situations dall'ipocrisia e entachées della menzogna. d'hypocrisie et de Fare mensonges. luce. Faire la lumière. Ma non è la mia luce, è la luce di Gesù. Ce n'est pas ma Noi siamo lumière, c'est la strumenti lumière per de Jésus. che la luce di Gesù arrivi a tutti. Je suis l'instrument à travers lequel la Gesù lumière du ci Christ invita arrive à a tous. non avere Jésus paura nous invite à ne di pas vivere nel avoir peur mondo, de vivre dans le monde, anche se in esso a volte si même s'il y a riscontrano parfois des condizioni conditions di de conflit conflitto e di peccato. et de Di péché. fronte alla violenza, Face à la all'ingiustizia, violence, à l'injustice all'oppressione, et à il l'oppression, cristiano non può chiudersi in se stesso Le chrétien o ne peut pas nascondersi nella s'enfermer en sicurezza lui-même, del proprio en recinto. se cachant dans la Ma anche la sécurité de sa Chiesa propre non può enceinte. chiudersi in se stessa, L'Église ne peut pas non può s'enfermer sur abbandonare elle-même. la sua missione di evangelizzazione Elle ne peut e di pas abandonner servizio. sa propre mission d'évangélisation et de service. Gesù, nell'ultima cena, chiese il Padre Dans la dernière di non scène, togliere Jésus demande à i son Père discepoli dal mondo, de ne pas enlever le disciple du monde, lasciarci lì nel mondo, le laisser là, ma di custodirci dallo en le Spirito laissant del là, mais mondo. de le protéger du mal du monde. La Chiesa si spende con generosità e L'Église tenerezza per i piccoli s'engage e i poveri. avec générosité et tendresse pour les Questo non è petits et lo les spirito del pauvres. mondo. Ça, ce n'est pas Questo è la l'esprit du sua monde. luce, il sale. Ça, c'est la lumière, La Chiesa le ascolta il sel. grido degli ultimi e degli L'Église écoute esclusi les cris et perché è les derniers consapevole des di essere exclus, una comunità pellegrina car elle est consciente chiamata d'être a une communauté des prolungare nella pèlerins, storia la appelée à presenza prolonger salvifica dans di Gesù l'histoire la Cristo. présence salvatrice de La Jésus-Christ. Vergine Santa Que ci la Sainte aiuti ad Vierge essere nous sale aide à e être le luce sel in mezzo della gente, et lumière au portando a milieu des tutti con la gens, vita e la en parola apportant à la tous, buona notizia avec la vie et la dell'amore di Dio. parole, la bonne Angelus Domini, nouvelle nuntiavi de l'amour Maria. des dieux. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavis in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut in efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quaesum Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nunciante, Christi Filii tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideibus defunctis, requiem aeterna dona eis Domine. Elus perpetua adducet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nom et susque saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, hier, en la mémoire liturgique de Sainte Joséphine Bakita, a été célébrée la journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des personnes. Per sanare questa piaga, perché è una vera piaga, che sfrutta i più deboli. Pour guérir ce fléau qui est vraiment un fléau qui exploite les plus faibles, l'engagement de tous est nécessaire. Institutions, associations et organisations éducatives. Sur le plan de la prévention, je voudrais souligner que diverses études montrent que les organisations criminelles utilisent de plus en plus les moyens de communication modernes pour attirer les victimes par la tromperie. Il est donc nécessaire, d'une part, d'éduquer les gens à l'utilisation saine des moyens technologiques et, d'autre part, de surveiller et de rappeler aux fournisseurs de ces services télématiques leurs responsabilités. Continuano ad aggiungere notizie dolorose. Des rapports douloureux arrivent encore du nord-ouest de la Syrie, en particulier sur le sort des tant de femmes et d'enfants, des personnes forcées de fuir à cause de l'escalade militaire. Je renouvelle mon appel sincère à la communauté internationale et à toutes les parties concernées pour qu'elles utilisent les moyens diplomatiques de dialogue et de négociation conformément au droit international humanitaire afin de sauvegarder la vie et le sort des civils. Prions pour cette aimable et le pape invite à prier pour la Syrie, la paix dans ce pays. Ange, vous salue Marie. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Saluto tutti voi. Je vous salue vous tous ceux qui êtes venus d'Italie et d'autres pays, en particulier les pèlerins de Séville, Carmona et Cadiz. Saluto i fedeli di Milano. Je salue les fidèles de Milan, Napoli fuori grotta. Naples et Fuori Grotta, Portici e Crispano, i ragazzi della Cresima di Rosolina e quelli di Prato, les jeunes de la confirmation de la Roseline et ceux de Prato, partecipanti al simposio internazionale, ainsi que les participants au symposium international organisé par l'Action catholique sur le thème « Pédagogie de la sainteté ». E auguro a tutti
Una buona domenica. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon appétit et au revoir. C'est la fin de cette prière de l'Angélus présidée par le pape en ce cinquième dimanche du temps ordinaire. Et le pape a lancé un appel à la paix pour la Syrie qui connaît dans sa partie nord-ouest une avalanche de crise. Il a également rappelé la fête liturgique de la Sainte Joséphine Bakita. Et on se souviendra que dans son tweet d'hier, l'évêque de Rome avait prié pour toutes les victimes de l'esclavage. Sainte Bakita, écrivait-il, patronne des victimes de la traite, a affronté la douleur de l'esclavage. Elle a été témoin de la liberté, de la joie, de la rencontre avec le Seigneur. Prions pour que tous puissent vivre cette joie et briser les chaînes de l'esclavage. C'était en direct du Vatican, la prière de l'Angélus prononcée par le pape. J'étais évidemment ravi de vous tenir compagnie en vous quittant. Je vous souhaite un très très bon dimanche à vous tous qui êtes restés branchés sur le canal de notre site vaticannews.va, mais également à travers les radios et télévisions partenaires IWTN, Radio Espérance, Radio Ecclesia et Radio Catholique Elikia à Kinshasa en République démocratique du Congo. Laudetur Jesus Christus.